frérot, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va tester la lignée de Vegeta dans, sur le Battle Road. Super. Donc on doit jouer arc-en-ciel. Donc il faut des unités de chaque type. Donc j'ai dû faire des choix. Voilà, c'est pas vraiment ma team type. Niveau rotation, on va faire Vegeta SSJ3, Vegeta SSJ4 et l'air. Parce que oui, le tank on a besoin, même s'il aura du mal à partir en SP. Deuxième rotation, Vegeta bleu évolution avec Vegeta bleu, Vegeta SSJ4 et l'air. Vegeta bleu évolution à Super Saiyan, combat acharné et pari au combat. Donc voilà, il y aura au moins 3 liens qui vont proc. Soutien, Trunks Stellar, bras et Super Trunks. Super Trunks qui est pas dégueu. De toute façon, j'avais pas tant de choix non plus en intelligence. Bras, je l'ai droppé il y a pas longtemps en voulant chasser un doublon sur le Vegeta SSJ4. Du coup, je suis content. Elle donne Ki plus 3 et 40% de boost de stats pour tout le monde. Et elle a 30% de chance d'esquive par. Unité fille pleine de vie, donc c'est la seule, donc elle aura que 30%. Par contre, ça se stack à 60%. Trunks solaire ici sera en position de soutien. Bon, voilà, il peut être intéressant, mais là je préfère quand même garder les deux Vegeta bleu évolution et Vegeta SSJ3 dans la rotation. Niveau item, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Et puis donc c'est parti. Pendant que ça charge, les amis, vous pouvez mettre le petit pouce bleu de soutien ici. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui vont faire le petit geste. Et puis n'oubliez pas qu'on s'approche des 196 000. Je compte sur vous. Parce qu'après les 196 000, bah, il y aura les 197 000, puis 198 000, puis 199 000, et après la célébration des 200 000. Donc voilà, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines séances de stream, les amis. On stream quasiment tous les soirs. Ah, super, les trois supports dans la même rotation. Ma vie est incroyable. J'adore. Maintenant, je fais quoi? Je peux partir en SP ultime. Donc on va essayer de sécher le plus rapidement possible notre ami Freezer. On va laisser ça pour bon, là je pense que je suis pas fou non plus, hein. On va ghost, hein. 3 supports dans la même rotation, c'est un peu suicidaire quand même. Bon, après au niveau de, en termes de stats, ah, il a quand même 83 000, le Super Trunks free to play. Ah oui, parce qu'en fait il a 50%, alors il a attaque et plus 80%, il est Ki plus 3 de base, donc il est très très bon de base. Et puis il a grande chance attaque plus 50% et grande chance d'avoir défense plus 50% supplémentaire. Donc là je pense qu'il a activé sa défense supplémentaire, donc il a 83 000 et c'est pas mal. Hein. Bras, si elle se fait toucher, elle se fait exploser. Triste monde. Bon, c'est un support, elle est là pour supporter, donc voilà. Eh, hey, pas dégueu le Super Trunks, hein. Franchement, je pense que c'est le meilleur des Super Trunks. 2 600 000! Ah oui, d'accord. Et pas mal, hein. Pas mal du tout! Pas mal du tout, le petit Trunks, dans la lignée de Vegeta. Bon, l'aspect de bras, bon, c'est rigolo. L'appel de Daron, le Daron qui balance une petite patate. Ah! Ah oui, effectivement, effectivement, ok. Ça fout un peu le seum, mais nous n'avons point le choix. On va tout mettre sur l'agilité. 97 000, 91 000, 80 000. Je vais quand même claquer un item ou pas? Là je vais bloquer, non ça devrait, aller, ça devrait aller, j'ai foi en la team de Bizita. On va essayer de tuer le, alors par contre le tech va m'attaquer deux fois derrière. Bon, Vegeta peut-être qu'il va se manger une spé, oui, non, oui, magnifique, magnifique. Oh, j'aurais pu faire tellement mal. Allez, allez Vegeta, 2 millions en valeur d'attaque, il a plus de 150 000 en défense, ça devrait aller. Tant qu'on se mange pas de spé, ça devrait aller. Ouais, 33. C'est quand même ouf, hein. C'est pas un tank. Ah, mais là, c'est comme si. Allez, on le tue, lui. Allez, il lui reste deux petits traits, là. Allez, encore une spé. Allez, Vegeta, tu peux le faire. Vegeta, tu peux le faire, encore une fois. Non, il lui reste un trait, t'es sérieux. Aïe, 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 aïe. Pas de spé. Ouf, 60 000. Waouh. Ah, c'est violent ce qu'on vient de prendre là, c'est violent de ouf. 75 000. 4... Ah, il a encore activé son. Grande chance, c'est 50%, donc c'est pas mal. Hein. 82 000. Bon, on va bloquer avec. Avec Bizita. On a un qui arc-en-ciel, donc attends, deux. Non!
Bon, tant pis. Bah, c'est, on a de la chance, mais à la base, je voulais pas faire ça. Hein. Bon, j'ai peut-être pas faire le ouf deux fois, non. Je vais activer un item, là. Bon, on a eu une mauvaise rotation, hein, faut être honnête. On a eu une très très mauvaise rotation. Est-ce que j'active le Dokkan Mode dès la deuxième phase? C'est ce que je faisais avant, je crois. Bon, on va le faire. Je crois que c'est ce que je faisais, je gardais le Dokkan Mode. Non, je claquais le Dokkan Mode pour la deuxième phase. Parce que... comme ça, la troisième phase, je serai... paré au combat. On le tue, là. Oh non, les gars, vous êtes sérieux? Tant pis. Ah, enfin. Oh, c'était long, là, hein, pour en tuer un. Alors, évidemment, j'avoue qu'on a moins de dégâts par tour, un petit peu. J'avoue que c'est compliqué. Ah, l'active skill. On va essayer de stun Jean-Michel, jambe de coq, là. Allez, zou. L'active skill, est-ce que je le claque maintenant? Ouais. Autant le claquer tout de suite, hein. Oh là 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 là, je kiffe! Je kiffe, les gars! Bon, qu'est-ce qu'il dit en fait? Shining Star attaque? What? On l'a one shot là? Oh! On l'a one shot? Non, on va faire ça. Ah ouais, on l'a one shot, les gars. Fat délire. Oh, le fat délire, les gars. Final Shine Attack. Ok, c'est bon. J'ai compris. Merci beaucoup, les frérots. 1 400 000 grâce à Bra. Bim, le stun. Oui. Magnifique. Bezita et CJ3. Bon, c'est vrai que c'est grâce à les petits 40% de Bra, là, ça a fait plaisir. Hein. Oh, il a one shot de ouf. Bim. Ah, un autre one shot. Oh. Oh, la puissance de Bizita, les gars. Ah, il lui restait un trait. Non, t'es sérieux? Oh non. Il lui restait un trait. Fauberie. Je déteste quand il lui reste un trait. Je vous jure, qu'est-ce que je déteste ça. Bon, là, il est stun. Ah, j'aurais pas le temps de remplir la jauge d'Okan. Ah, j'aurais pas le temps. Bah, tu sais quoi, on va pas. Bon, on va faire ça déjà. Ça se trouve, on va le tuer juste avec ça. Ah, j'aime bien quand il fait ça. Oh, je vais te soulever. En fait, c'est, en gros, c'est signé. Je vais te soulever, toi et toute ta famille de pain d'épices. Ah non, c'est dommage. Ah oui, c'est le mien, c'est pour ça, il a pas de doublon. Nul, tout ça pour ça, nul. Allez, c'est comme, tant pis. Nul. On va prendre des ki bleus. Ouais, non, j'aurais peut-être dû reprendre des ki de ma couleur, tant pis. One duty, viva l'Algérie. Ok, c'est noté. Pas de bras, pas de boost, elle est pas mal celle-là. Pas de bras, pas de boost, j'avoue, des petits 40%, ça fait plaisir. Bon, après, les deux l'autre Vegeta, il a 3 doublons. Hein. C'est pas le mien. Alors là, clairement, il n'y a pas photo. Non, vous lui restez, un trait. Ah, je suis pas sûr d'avoir le Dokkan Mode pour la prochaine rotation, enfin le prochain combat. On fait trop de dégâts, c'est quand même. Enfin, on fait trop de dégâts, c'est bien. Hein. On fait beaucoup de dégâts par tour quand même. Enfin, malgré tout, hein, c'est ça que je voulais dire. Du coup, peut-être le garder pour la dernière phase. Mais non, ça va être juste. Ça va être juste un peu quand même. Salut Major Ilgren. Ça fait longtemps que t'es pas venu poster un message par rapport à. Tu sais, ton poteau, l'autre là. D'Emigra là. Alors là, je bloque 3 fois. Là, je bloque trop de fois.
Qu'est-ce que je fais? Là, en termes de quiche, j'avoue que c'est pas la joie là. Bon, là, bloque 3 fois ici. Là, je bloque combien de fois? 1, 1, 2, 3. Là, encore 2. Vegeta il est constamment sacrifié, hein. J'ai pas le choix en fait. Ah, j'aurais dû ramener un. On verra ça. Du coup, avec cet item, on a 146 000, donc on va passer à 300 000, les gars. Oh, oh putain! L'autre il passe à 124 000. Délire, délire, délire. Alors Vegeta peut-être tu peux activer l'attaque supplémentaire. Oui, oui, non, non. Oui, il m'a entendu. Oh le beau gosse, le beau gosse. C'est pour ça que j'ai tout mis en attaque sup. Allez, le petit stun des familles. Non, oh non, je suis déçu. Tout ça pour ça. Oh, je suis déçu. Donc là j'ai 300 000 en défense avec l'item. 300 000. Je pense que je crains rien là, non? On va voir si je mange une spé. Bon, pour l'instant rien du tout. Bon non, ça va. Oh le Trunks! 900 000 le Trunks free to play, le super Trunks. Pas mal du tout les amis. Pas mal, pas mal. What? J'ai pris que 36 000? Ah ouais? Ah ouais. Intéressant. Il me faudrait 6 qui. 7 qui, pardon. C'est bon, je les ai. Ouais, il faut qu'il clamse là. Faut que tu clamses, Silk to play. Ouais, tu sais quoi, on va prendre des kits de ma couleur là. Faut que je remplis vite. Je la remplis vite ces jauges d'Okan là. Salut Dorka, Dorka. Là, on est... J'avoue qu'au terme de tankiness, cette team est assez impressionnante. J'avoue. Même le Super Trunks. Là, je rappelle qu'il est free to play. Hein. Il revient de loin. Hein. Ouais, peut-être que Bezita 100% peut lui faire les dégâts supplémentaires. 1 800 000. Putain, bras, bras, merci beaucoup. Allez, Vegeta. Ne lui laisse pas un trait, s'il te plaît. Allez. Oh, le critique. Non, l'attaque supplémentaire. Non, non, les gars. Il lui reste un trait. Fourberie. Il lui reste un trait. 82 000 sur la brasse, il esquive pas. Ah ouais, mais... Fat délire, ça. Oh, le délire. Ouais, j'ai kiffé, là. Qu'est-ce que j'ai kiffé? Ah, tant pis, on va faire ça. Ah, le soin, violent, quand même, violent. Trunksu, Trunksu, Trunksu. Sur qui tu pourrais taper? Trunksu, bah, tu sais qu'on va taper sur lui, hein. Le petit Trunksu. Bon, prochain tour. Oui! Partez en spé sur Vegeta. Très, très bien. Je valide 30 000. Très bien. Très, très bien. Vegeta et SG3, c'est vraiment... C'est vraiment ton meilleur gars sûr de l'univers. Ils peuvent tous partir en spé sur lui. Tous. Il fera 0 de dégâts. Regardez-moi, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est vraiment... Bon, je vais essayer de le mettre à 100%. Enfin, pas à 100%, mais débloquer le plus de chemin possible. Bon, lui, il est mort. Sur mon compte global, quand j'aurai l'occasion. Il est quand même très, 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 très bon. Trunks, il peut crit. Ouh, pas mal, pas mal du tout. On l'a mis midlife. Oh, le Trunks. Je crois que j'ai eu deux doublons depuis que j'ai droppé. Bon, on va essayer d'activer très prochainement. Oh, l'active skill, les gars. L'active skill. Il est là. Il est tout beau, il est tout frais.
Attends, ça fait 2, 4 plus 3. Ça fait 7, ça suffit pas. Parce que là, j'ai pas assez, non. Là, j'ai que 8. Alors, on va faire ça, non. Bon, on va le tuer. Comme ça, ça en fait un de moins. J'avoue que c'est quand même bien pratique l'active skill. Hein. Allez, dégage. Ah, je crois qu'attends, la dernière phase, il y a Rosé Agilité. Ouh, j'avoue qu'on va pas kiffer des masses. Hein. Est-ce qu'on mettrait pas tout sur l'homme ours? Ouais, tant pis. Tout sur l'homme ours, les amis. Ah, peut-être le Dokkan mode? Non, ça, ça arrive trop tard. Ouais. Ça arrive un petit peu trop tard. Oh, le critique, c'est dommage, il est pas parti en spé, c'est dommage. Vegeta peut peut-être le one shot. Oh, ouais, non, ça va, on bloque, enfin il tape sur le mauvais type. 48 000, ça va. Ça va, ça va. Presque 2 millions, le Vegeta. Allez, toi tu dégages. Oh non, il lui reste un trait, t'es sérieux. Oh, tu es sérieux. Bon, bah, Dokkan mode, hein. Dokkan mode derrière. Dokkan mode par le seigneur Vegeta. 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 Là, ça me fait 2, 4, 5, 8. 8 plus 9. Non, t'es sérieux, il en manque un. Même si je prends les deux, ça suffit pas. Ça fait 8. Bon, de toute façon, ils vont tous mourir. Hein. Ouais, sinon Vegeta, je le sacrifie. On va laisser le Vegeta et SJ4 faire le taf. Désolé, Vegeta, désolé. Voilà. Le Dokkan mode, c'est pour Bibi. Petite. Oh non, j'aurais pas dû taper sur lui, je suis con. J'aurais dû taper sur Bergamo. Petite erreur, vite, vite, vite. J'ai oublié de changer de cible. Oh mince, j'ai bientôt plus de batterie. Oh, mon câble se trouve dans ma poche. Fais chier. Oui, j'ai oublié de changer sur Botamos. Mais bon, j'ai foi en Vegeta pour qu'il crit. Allez, Vegeta! Merde. Oh putain, 2 400 000! Enfin, 300 000! En tapant sur le mauvais type. Mais what? Comment c'est possible ça? Oh, comment c'est possible? Ah, la violence. Oui, ce soir, il y aura du Resident Evil. Là, par contre, on va pas kiffer parce qu'il y a de l'agilité. Il y a trop d'agilité. Mais bon, je pense qu'on peut avoir foi en l'âme des cartes, non? Je dis ça, en fait, on va se faire tuer. Donc si je prends 3 kills de ma couleur, normalement, je crois que c'est bon. Ça fait 4, oui, c'est bon. Bon, j'ai foi en l'âme des cartes, c'est un grand mot. Hein, je suis pas fou non plus. Je vais peut-être garder Trunks dans la rotation, hein. Ah ouais.
Il peut faire très très mal en fait. Il peut me faire extrêmement mal. Virer les deux LR de la rotation. Oh putain, pas de dégâts. Alors là, on va peut-être pas kiffer là. On va peut-être vraiment pas kiffer. Il faut que les autres fassent beaucoup de dégâts. Tel Vegeta et CG4. Vegeta Blue Evolution. Qui s'est toujours pas transformé. Oh oui! Ça c'est mon gars sûr. Allez. Un petit critique. Non, dommage. Je vais garder train, je pense. Ouais, que non. Parce qu'une fois qu'on a tué l'autre là, il reste que Zamas. Il restera plus que Zamas et ça devrait aller. Ah, pas mal, pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Là il a. Ouais, d'accord, on va faire ça. Si on pouvait le stun, ce serait beau ça. Je pars pas en SP. Bon, tout le monde contribue. Ce serait bien que Vegeta le stun là. Ce serait tellement beau. Allez, mon petit Vegeta. Bon, Vegeta ici, on peut pas. En fait, son passif des 120% de boost d'attaque quand l'adversaire est stun. Oh, c'est passé. J'avoue que c'est compliqué de l'activer. Hein. C'est très compliqué. Il faut ramener deux stunners. Et chacun dans chaque rotation. Alors j'aurais pu ramener le Vegeta Metal Cooler, mais à la place de bras. Donc le choix est difficile. Bras, c'est quand même intéressant comme support. Bon, j'avoue que voilà, bras qui est là. Mais j'avoue que l'autre là aurait pu être très intéressant également. 104 000 le Vegeta Bleu Evolution. Bah on va le mettre là. Hein. Oh là, Zamasu attaque deux fois là. Oh, j'ai pas kiffé là. J'ai pas kiffé du tout. J'ai pas kiffé du tout. Est-ce que je ghosterai pas? Ah oh, putain, c'est horrible. Je peux prendre super cher. Il peut me one-shot là à cause de ça. Bah, je vais faire claquer ça. En fait, si Zamasu me touche en SP là, je suis mort. Clairement. Donc, je préfère pas faire le ouf. J'avoue que ça me tourne un peu, mais bon, j'ai pas le choix. Bra, elle a tellement pas de défense. Bon, elle a 30% d'esquive, mais bon. Si elle active pas ses 30%, on est mort. Hein. C'est ça le problème. Vegeta qui commence à monter en puissance. Hein, à chaque tour, il augmente un peu son attaque. Bra, ils auraient pu lui donner genre une réduction de dégâts, tu vois. Ouf, l'esquive. Ok. 100 000 sur l'auto-attaque. Wow. Oh, je l'ai senti passer ma gueule. Oh, je l'ai senti. Hein. Ah, t'inquiète pas, je l'ai senti passer là. Bah, il active skill sur Rosé. Allez, un petit critique, Vegeta. Un petit critique. Avec ton Final Shine. Ah non, nul. Nul. C'était nul ce que tu viens de faire. C'était vraiment très très nul. Voilà, on va. Ah, j'ai plus de Whis. Je n'ai plus de Whis. Et je peux pas en SP. Oh là 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 là. Est-ce que je ghosterai pas? Bon, par précaution, fait ça. Putain, ça me fait chier, mais bon. Ça fait chier un petit peu là. J'avoue que l'agilité, il fait chier quoi. Il fait chier. Alors, on a deux unités puissance. Enfin, trois. Ouf, ça va. Lui, il part en SP ici. Allez, il faut que Rosé tape ici là. Allez, Rosé. Non, c'est dommage. Faut pas qu'il part en SP sur le bon type Rosé là. Sinon, il va me faire très très mal. Oh, personne ne crit forcément. Pas de spé sur Trunks. Ah oh non, Trunks il avait un critique. Ouf, 40 000. Oh là là.
Oh punaise, on est mort. On est mort. Wow. Oh ouais. Oh putain. Ah, j'ai le souffle coupé là. J'ai le souffle coupé. Ah ouais, il tape pas sur le tank. J'avoue, quand il tape pas sur le tank, je kiffe pas les masses. Ah, il lui reste un chouïa, les gars. Personne n'a crit hein, parmi les deux CG4. Donc là, est-ce que je le sacrifierai pas? Ouais, je vais le sacrifier. Ouais, tant pis. Hein. Tant pis. Je pense que j'ai ghost. Comme ça, Vegeta CG4, VCG3 va pouvoir tanker. Punaise. Punaise, les amis. Bon, la Vegeta Evolution, je compte sur toi pour le finir. Ouais, c'est bon, c'est fini là. Enfin, un trait. Le fameux trait. Toujours le trait. Oh, punaise, il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, les gars. Bon, il reste Zamas. Oh, ça va, il reste que Zamas. Évidemment, je suis pas fou, hein, je vais faire ça. Quoique. Bon, non, je suis obligé de me soigner un peu là. Alors, c'est très dangereux de dégager le tank, mais. Soit je mets bras, soit je dégage le CJ4. Je préfère garder le CJ4 qui a plus de dégâts. En fait, bras, ça aurait été bien qu'elle bloque l'aspect. Ça aurait été bien ça. Vegeta, s'il te plaît. Stun-le, s'il te plaît, stun-le. Oui! Je crois que Vegeta Evolution a plus de défense. Bon, l'autre il tape sur le bon type, mais. Ouais, il a 138 000 en défense. Comme ça, je pars en spé ultime avec lui. Et lui part aussi en spé. Bon, on n'a plus d'items par contre. On donne tout, les gars. On donne tout. On n'a plus le tank dans l'autre rotation. Donc on va peut-être clamser. En plus, j'ai bras dans l'autre rotation. J'avoue que je vais pas kiffer. Je vais pas kiffer du tout si on le tue pas, les gars. Parce que bras, je la sens pas du tout. Allez, là, les gars, limite life. 2 600 000, ça commence à monter. Ça commence à être intéressant. Oh non, allez. Bon, il reste Trunksu. Trunksu. Allez, tu peux crit. T'as 50% de chance. Oui. Oh, il reste un trait. Oh oui. C'est ça qu'on veut aller voir, les amis. C'est ça qu'on veut voir. Au revoir. Voilà. Bon, on a plus d'items. Ça a été un peu chaud. Bon, j'avoue que c'était un peu plus facile avec la lignée de Goku. Plus de dégâts par tour. Donc forcément, les combats sont un peu moins longs. Et ça manque de soins quand même dans cette composition. Alors que dans la team de Goku, on a le Goku SJ2. Et plus tard, on aura Pan et l'air. Donc on a quand même deux unités qui soignent, qui sont quand même très très intéressantes. Mais on a réussi le Battle Road avec cette catégorie. Peut-être que la Pan, c'était pas forcément une bonne idée. Parce que si elle esquive pas, on se fait soulever, les gars. Mais genre vraiment soulever. Donc peut-être que ramener le stunner Vegeta Metal Cooler est peut-être un meilleur choix. Voilà. Bon, l'active skill, ça nous a permis de one-shot quelques unités durant la première phase. Ça nous a permis de finir une unité aussi.
Donc c'est assez utile, hein, mine de rien. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite VOD, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Voilà, on s'approche des 196 000. Je compte sur vous. Activez les notifications pour ne pas rater les prochaines séances de stream et les prochaines VOD. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, la petite page YouTube, le lien se trouve dans la description. Pensez-y, ça mange pas de pain. Tous les jours, une petite pub à mater. Ça soutient énormément la chaîne. Passez une bonne journée. À tout à l'heure pour d'autres VOD. Ciao.